tout le monde, c'était, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment nickel, les amis. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la H3Z4 Clan, les potos. Et oui, ça me fait extrêmement plaisir de vous commenter cette petite vidéo sur la chaîne de la H3Z4 Clan. Et oui, les gars, c'est une nouvelle voix sur la chaîne de la H3Z4 Clan. Voilà, je répète un peu H3Z4 Clan, bref, et que je vais me présenter plus tard. Mais quand même, je vous présente le gameplay qui est sous vos yeux. Aujourd'hui, les gars, on se trouve avec un gameplay juste magnifique et malade mental, avec une double nucléaire au MR6 sur la map combine de ce Call of Duty Black Ops 3, bien évidemment. Et le gameplay a été fait par Actimi. Voilà, sa chaîne sera en description. Donc tu vas checker sa chaîne et tu vas t'abonner, ça le ferait vraiment super plaisir. Et aussi, allez féliciter le player en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et vraiment, les gars, magnifique gameplay de sa part. Et vraiment, gros gameplay de sa part, puisque tout simplement il a joué au MR6. Et voilà, un petit flingue et faire une double nucléaire avec, je pense pas que ça serait facile. Et moi qui arrive même pas à claquer une nucléaire avec la Razorback, bon, j'en ai claqué quelques-unes, mais pas énormément. Mais avec un MR6, j'arriverai même pas à tenir sans pitié. Et sans attendre, comme je me présente, et oui, je vais me présenter. Donc voilà, je suis Staze, un commentateur. Je m'appelle Diane, j'ai 13 ans. Voilà, je suis rentré dans la H3Z4 Clan il y a à peu près 3 jours de là. Et vraiment, les gars, ça me fait extrêmement plaisir de rentrer dans cette team. Et voilà, mon premier commentaire, j'espère vraiment qu'il vous fera plaisir et que mon commentaire sera assez agréable à entendre. Et je vous ai préparé un petit sujet, voilà, de quoi commencer un petit peu, voilà, se mettre dans le bain dans la vidéo. Je vais vous parler tout simplement du DLC 3. Et oui, le DLC 3 de Black Ops 3 qui sortira à peu près dans quelques jours ou bien dans 3 semaines à peu près, j'ai envie de dire. Et vraiment, là, je l'attends avec impatience, je vais tout vous expliquer. Déjà, je vais vous parler du zombie. Déjà, c'est sûr à 99% que le personnage qui sera à la tête de cette map sera tout simplement Nikolai. Et oui, car dans The Giant, il y avait Richtofen qui était à la tête de cette map. Ensuite, sur des raisons rares, c'était Dempsey. Et ensuite, sur Zetsubou no Shima, c'était Takeo. Donc, dans le CSC 3, ce sera tout simplement Nikolai, donc le 4ème et dernier personnage de cette gang ou de cette clique située du 93. Et la map va se dérouler tout simplement dans une... voilà, dans un petit endroit de Russie, voilà, enneigé, j'ai envie de dire, puisqu'en Russie, il y a beaucoup de neige. Et tout simplement en Russie, parce que Nikolai est russe. Donc, on va dire que la map va se dérouler tout simplement dans son pays natal. Et donc, comme dans tous les DLC, il y aura 4 multijoueurs et une map zombie. Mais si Treyarch serait sympa. Et oui, ici, rajouter une arme dans ce DLC 3. Parce que sur Red Star Far, dans le DLC 3, ils ont bien rajouté l'OHM. Vous savez, cette batteuse qui fait 75 balles à peu près dans chargeur, et ensuite il t'appuie sur la flèche de droite et se transforme en fusil à pompe. Moi, comme arme qui rajouterait dans le DS3, j'aurais pensé à une petite PC Keeper un peu plus futuriste, comme le FAMAS, un peu, j'ai envie de dire le FFAR. Donc une SMG qui serait assez potable à jouer, qui serait ni basse et ni puissante. Vraiment, ce DS3, je l'attends avec impatience. Et surtout, les gars, vraiment, c'est le zombie que je vais attendre encore le plus. Et je pense que cette map sera un peu plus fun à jouer que sur des raisons rares. Et vraiment, pour moi, Zetsubou no Shima, parce qu'on va un peu en parler, Zetsubou no Shima, pour moi, c'était pas une très bonne map, tout simplement parce que c'était plus une map à énigmes qu'à faire des manches et à bien jouer tranquillement, à se mettre un peu dans le bain, tu vois. C'était plus à faire des énigmes avec les fleurs, j'ai pas trop compris le système. Et donc voilà, les gens, la vidéo est déjà touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez vraiment pas à liker et à commenter et à me dire si mon commentaire était assez agréable à écouter et si mon commentaire vous aura plu. Et sur ce, les gars, je vous laisse, c'était Staze. Bye, à la prochaine, les amis.